Je tiens à souligner que mon second nom est Résilience. Ne m'appelle pas Marjorie, appelle-moi Résilience. Je suis une combattante née. Et je ne saurais m'assujettir au pouvoir de quiconque pour devenir un objet. En effet, tout drame n'a résidé dans cachet origine saga. Moi, je fais connaissance avec monsieur qui est le Rudy Salon dans le commencement de l'année 2021. Et c'est Pierre Espérance qui présente lui dans le local RNDDH. Comme mon parle, comme partenaire. Moi, je suis venu rencontrer avec lui souvent dans le bureau de monsieur Pierre Espérance. Parce que c'est là qu'on fait journée. Dans l'année 2021. Comme c'est moi qui étais responsable pour travailler sous suivi de monde qui subit violence dans la période de mobilisation époque là, c'est avec RNDDH moi qu'on fait monitoring victime. Et ça t'a obligé nous parler et rencontrer souvent. Première idée que m'a gagné de M. Pierre Espérance, c'était un vrai patriote. Il y a un vrai monde qui a goûté pour défendre le droit de l'homme, pour faire respecter le droit de l'homme. Confiance et ça que nous avons développé a été tellement grand, nous avons eu notre frère accès. À un moment, dans le mois de juin 2021, données ont été changées. Nous m'en parler, mesdames. Parlez. À un moment dans l'année 2021, en juin, donné au cas de changer. Un matin, j'ai reçu un appel de Pierre Espérance, comme d'habitude, frère seul. Frère me dit, en passant pour me dire nous, Pierre toujours dit que vous dites toujours à demander pour vous. Vous dites toujours vous et salut, vous n'avez pas de fou. Ce que j'ai apprécié. Un matin, dans le mois de juin, Pierre Espérance m'a appelé pour me dire pendant qu'on a parlé, il dit vous dites que je me réveille. Il dit bon, qui rêve lui fait? Il dit vous voulez qu'on aime? Il dit oui, s'ils font rêve, il dit me saluer. Pierre Espérance dit vous dites-il, lui rêver que nous quatre, parmi eux, Pierre Espérance et moi-même, nous trouvons nous même côté, dans la même chambre, sous la même cabane. Ça, c'est mon rêve. Mesdames, quittez-vous fini. Et de là, moi dis, frère, dis ou dis, priez avant de dormir, parce que c'est Jack qui te vient sous lui dans la nuit là, qui fait son mauvais rêve. Dis ou dis pour moi, vous les dormir. Pierre, qui te, que je te considère comme frère, que je te fais confiance, que je te dis tout le bagaille, enfant intelligent, je commence à comprendre que l'autre bagaille est entré dans la cause. Quelques temps après, Pierre m'a dit nous ces deux faits et solides qui peuvent combiner ensemble. Moi, je finis de dire ça, on rêve ton rêve, il ne va pas mettre mes sous moi, moi catégoriser. Rêve là, je dis que vous les auriez. Quelques temps après, Pierre, qui a une expérience politique, lui demande nous-mêmes dans SDP,
Parce que l'idée fait plus confiance, il était toujours dit, mais monsieur, ça y est, je dis dans le langage, monsieur, l'autre monsieur, c'est malandré, c'est au monde sérieux. Moi, je regardais pour voir comment on a influencé monsieur, yo. Pour aussi, on ne peut pas y équipe, équipe qui est dans la société civile, là, parce que avant de Montana, groupe politique Montana, c'était un groupe société civile que vous avez. Convainc monsieur, yo. Pour yon signer un papier, pour yon faire un contact avec la société civile, là. Pour yon signer un papier, pour yon déléguer, m'a dit nous mot pour mot, pour yon déléguer légitimité, en fait, un Jovenel Popo assassiné. Pour yon déléguer légitimité, SDP, bail, société civile, là, pour société civile, là, qu'à négocier Washington. Nous, moi, je vais monsieur m'expliquer. Monsieur dit, ah non, faut nous et Pierre pour dire nous ça va galérer. Nous avons rencontré Pierre. Pierre dit, ah oui, et c'est des bons mondes qui a travaillé, c'est société civile, ils ont bien entré sorti Washington, et meilleure solution pour nous joindre, c'est Bayo légitimité que nous-mêmes nous gagnons. Si on n'a pas Bayo, Bayo représente nous pour négocier Washington. Monsieur dit, ok, à rencontrer, mais vous pouvez comprendre le projet, à force, nous rencontrer, nous avons dit de quoi il en est. Effectivement, il y a eu deux rencontres. Je n'ai pas encore dit. Ils ont dit nous clair, noir sur blanc, que ils ont venu faire des marches en bon côté nous, comme groupe qui est en avant de la scène, de la mobilisation, pour nous bailler une lettre, que nous transférer leur légitimité, nous, pour y aller négocier à Washington. Monsieur répond, il a dit, nous n'avons pas de problème. Mais nous-mêmes, tout en tant que groupe politique, nous avons des groupes dans la société civile qui font partie de nous, permettent nous d'avoir deux à trois représentations. En dans nous, le ça n'a bien garanti et n'a signé papier. Ils ont refusé. Ils ont refusé de garçons. Et de là, nous dit, nous ne pas signer, nous ne pas pas légitimité, nous ne pas pas négocier pour nous un bagage qui n'est pas clair. Nous demandons des documents, nous ne pas de documents. Ce sont ces deux faits. Après, Pierre a eu à me dire, Pierre Espérance a eu à me dire. N'a payé ça quand même, moins qu'on bataille et nous pas de droit en rien dans le pays d'Haïti. Et de là, Pierre a commencé, Pierre Espérance commence son campagne dans toute radio, il passe flambeau à Woody, il place flambeau à Woody Sanon pour Woody Sanon régler avec nous. Ça pas, moi-même, problème, moi, c'est que, comment un groupe ne fait pas d'accord ou dit non? Il y a deux faits insolites. La question du rêve qui t'a voulu proposer une séance à trois, à quatre, trois, moi, plus que même 24. Et il y a la question de ne pas vouloir signer et ne pas accepter signer avec la société civile. Monitoré par Pierre Espérance, Kounia, Pierre Espérance, utilisé Woody, Thomas, Sanon, pour le détruire. Ça va garder. Si Woody, Sanon, à Pierre Espérance, a vu dans la même chambre, ça va garder. Il y a une droit politique, pas moi. Moi, j'ai une tête pour me gérer, moi, j'ai droit de dire non. Nous ne pas poser une question journaliste. Comment qui fait? Ou dit ça non ça, qui a dit toute journée, il y a des officiels, il y a des gens dans le gouvernement Ariel, que le diavel, il y a des gens qui ont la caille. Est-ce que j'ai entendu le jour et le jour? Marjorie Michel, pas ministre. Marjorie Michel signe seulement un accord. Est-ce que signer un accord équivaut à tout ça que Woody a fait? Ou dit-il son femme laide, ou dit-il son détournement minaire, ou dit-il payer bien crochu, ou dit-il son pas de mot, il dit son volé, il dit pas de organisation femme pour se boisser, n'a boisser, sous cette organisation femme qui connaît, qui existe le pays. Ou dit-il chaque jour, ou dit prend radio pour moi. Moi, relé résilience. Moi respecter tout le monde et pas de monde qui a fait tourner objet. La question pour parce que son femme qui a fait politique, pour moun comprendre qu'a utilisé comme femme,
pour arriver, pour convaincre, pour servir, pour yon, pas objet politique, pas objet sexuel. Pour tout le monde qui pas connaît, qui devrait connaître, c'est deux propositions indécentes que nous avons gagnées de la part de Rudy Sano et Pierre Espérance, qui conduit la situation là. Mais ma prête tout bout, ma goumé, on connaît toute vie, c'est méchanceté ou arrangé ou pour faire moun, ma tanyo. De bien faire ma tanyo et au pape fempe. Il ne m'imposera pas, ils ne m'imposeront pas le silence. Yo mande, yo dim, c'est fourré ta pour entrer dans le trou, moi pas caché. Parce que toute vie, moi faire, c'est pour me servir moun. C'est ça me fait dans film. Pour édification nous mesdames, moi dit saleté, am te kembe pou yo. M te kembe, m kembe, m kembe, m kembe, malgré m kembe, yo pas chance suspend. Moi vinn di nou, mais réalité a. Ils m'ont fait deux propositions indécentes, j'ai dit non et parce que me dit non, faut pas exister encore. Merci journaliste yo. Merci tout femme engagée. Moi promets tout femme engagée, m'a toujours aimé avec vous.